Est-ce une allergie ou non? Voici comment le savoir. Si vous souffrez de symptômes tels que des éternuements, gonflements autour des yeux ou de la bouche, démangeaisons de la gorge, respiration sifflante ou urticaire, vous pourriez avoir une allergie. Vous pensez savoir quel est le problème? Le chat de mamie? Les pollens? Ou quelque chose que vous avez mangé? Mais en fonction de vos symptômes, vous pourriez avoir un simple rhume, une intolérance au lactose ou une maladie cœliaque. Vous n'avez pas à gérer le problème tout seul. Surtout parce que vos symptômes peuvent être dus à autre chose que ce que vous pensez. Selon une étude, 65% des personnes chez qui on a soupçonné une rhinite allergique et à qui on a prescrit des antihistaminiques peuvent ne pas être allergiques. Donc, au lieu d'essayer de deviner et de dépenser du temps et de l'argent en traitement pour rien, comment savoir si vos symptômes sont causés par des allergies? Avec vos antécédents médicaux, vos symptômes et votre examen clinique, un seul test sanguin peut aider à identifier les déclencheurs et vous aider à gérer vos symptômes. Vous avez le pouvoir de faire la différence. Demandez à votre médecin un dosage d'IgE spécifique. En savoir plus sur allergyinsider.com/testing.